regarder à travers. h 23 du matin, parti à 5h ce matin. Quelques petits moutons blancs. Et Antecum se déhale très bien là. Ça va. C'était prévu à cette heure-ci, petit dino de vent, 5 dino de vent. Et là, en true wind speed, on est à 11, 8, 12 nœuds. Au revoir la Corse, on la voit encore, elle s'éloigne petit à petit, et à mon avis dans une dizaine d'heures on devrait voir le continent. Voilà, ça s'est calme un petit peu. 4-7 quand même, 4-8. C'était bien la 12-13 nœuds de vent tout à l'heure, c'était nickel. Bon, bah tant pis. Hein. Ça va, bonjour. Hein? Alors? Pour un trap à chaque fois, autant tenir quand ça dérape. Il faut la tête de pousser de voir. Bon, ça se calme. Malheureusement. Bon, bah voilà les loulous. L'année 2022, le retour sur le continent. Il est 11h24. Allez, on va laisser couler la journée comme ça, tranquille. S'il y a un petit peu de vent. J'ai pas encore remis mon petit moteur depuis la réparation. Et la Corse s'éloigne. Derrière nous, Calvi. Plus vers la droite, là-bas. Ajaccio. Il bouge de Bonifacio. Allez, Patrick, c'est pas le moment de tomber à l'eau. Hein. J'ai une petite pensée en quittant la Corse pour tous les plaisanciers qui ont laissé leur bateau là-bas. Ça fait quelque chose. Je vous souhaite bon courage et j'espère que ça ne va pas vous avoir dégoûté de la navigation. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que au niveau de la météo maintenant, il y a quand même des anomalies. On arrive presque en Méditerranée à un climat tropical, avec des ouragans qui nous tombent sur la tête comme ça là. Mais ça, le problème en Méditerranée, c'est qu'il prennent une mesure pas longtemps à l'avance, quoi. Il va falloir apprendre à naviguer avec ces imprévus qui risquent de nous piéger. Et la météo, franchement,
Là, je vois aujourd'hui, là, j'ai pris la météo encore ce matin à 8h. Pas le vent qui est prévu. Enfin, tout à l'heure, au départ, je devais avoir 15 nœuds, j'avais rien. Après, je devrais avoir 10 nœuds, j'en avais 13. La seule chose qui était bonne, c'était la direction. Mais bon, le mail serré de Arôme HD au grip de 6h GMT Zulu, pris à 8h15, local, c'est pas ça. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez, mais là-bas, il y a quelque chose qui se passe et je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. L'écume. Ça gigote sous l'eau là. Et il n'y a qu'ici, hein. Nulle part ailleurs. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il doit y avoir une chasse là-dessous. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Encore une là-bas. Une chasse ou je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. Bon, enfin bref. Ça y va, hein. Il doit y avoir des prédateurs là-dessous qui foutent une pagaille. Et on voit toujours la Corse, hein, 40 000 nautiques. Bon, il est 21h38. Et voilà la carte de ce que je vois. On voit toutes les cibles à IS. Tout à l'heure, j'étais ici au milieu, j'ai appelé la Ciotat, le sémaphore du Bec de l'Aigle. J'étais à 100 000 nautiques et ils m'ont dit qu'ils me recevaient 5 sur 5. Pour les Cerrados, j'étais là à peu près, au milieu ici. Là, actuellement, je suis ici. On va grossir un petit peu. Alors ça, c'est toutes les cibles AIS. Hein. Je vois beaucoup de cibles AIS. Et là, il y en a une qui me préoccupe plus que les autres, c'est le Paoli, le Pascal Paoli. Pour l'instant, je n'ai pas d'alerte. Bizarre. Bon, bref. Je passe un petit peu de temps à l'intérieur, là. Je suis parti depuis 5 heures ce matin. Et ça fait... 21h40, 22h, 5h. Le Pascal Paoli, lui, me le met là. Pascal Paoli. Alors, on va se croiser, bateau de passagers. Va à Bastia, il fait 176 mètres de long dans 21 minutes à 350 mètres. Voilà, après la traversée et quelques moments de repos à la Badine. Et puis un petit coup de froid que j'ai pris au passage, j'ai dormi 48 heures d'affilée. C'est reparti pour faire de l'ouest, peut-être la Ciotat, peut-être plus loin, peut-être avant. Ça dépendra du vent, du coup. Donc ce que vous avez en face, c'est Porquerolles. Et il faut que je sorte ici. Là, je fais du près à 40 degrés. Donc, autant dire qu'il va falloir que je tire des bords pour sortir de là. Marre de faire du moteur. Au revoir Porquerolles pour cette année.
vieille du Grand Ribou. On vient de virer le bord. Juste ici. Là. Escale à La Ciotat, la remontée vers l'ouest et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Hier, 41 502 voiles auprès de Porquerolles à La Ciotat. Allez, au revoir La Ciotat. Je ne sais pas jusqu'où ça va mener. Bon allez mes amis, c'est la fin de la saison 2022 en voilier avec Antecum. Voici l'entrée du chenal de Port-Saint-Louis-du-Rhône vers Port Navy Service. Je ne sais pas ce que je vais trouver au bout, je ne sais pas si je vais avoir de la place, je ne sais pas si le quai va avoir une petite place ou quelque chose, bref. J'ai décidé de rentrer 15 jours plus tôt que prévu. La mer est méditerranée m'ayant laissé un petit goût amer il y a une huitaine de jours. Et elle étant encore très 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 chaude, elle est à 28 degrés, on est le 28 août. Et ça demande qu'à péter. Donc on va remiser le bateau et puis le nettoyer et rentrer faire ce que j'ai à faire. Je reviendrai certainement dans l'automne ou au printemps pour remettre Antecum en ordre de fonctionnement pour la saison 2023. En espérant que vous nous suiviez toujours. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Nous avons rencontré quelques personnes qui nous suivent au long de notre périple 2022 qui, je vous le rappelle, a été donc une navigation printanière, une partie en solo, une navigation avec Catherine donc sur un départ à hier, Saint-Raphaël, les îles de l'Airain, la traversée vers Calvi, la plage du Loto. Je vous abandonne. Qui ne m'emmenait pas par là directement. Donc, ensuite, la plage du Loto, ça a été donc le Cap Corse. On a fait beaucoup de voiles. Je ferai un petit résumé du nombre d'heures de voile que nous avons fait, enfin plutôt nombre d'heures moteur par rapport au nombre de milles. Cette année, on a fait beaucoup de voiles, sauf là au retour, où malheureusement je me suis fait une traversée retour moteur moins 2 heures de voile. Quoi, voilà. Donc c'était pas très très cool. Et puis ensuite, ben, aujourd'hui, ça a été une grande partie moteur, 5-6 heures moteur. Depuis La Ciotat, une partie voile, mitigée, pas beaucoup de vent. Et il n'y avait rien qui s'annonçait sous quelques jours d'intéressant. Donc, comme je souhaite rentrer, j'ai utilisé un petit peu la risée Yanmar. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt une année positive côté voile. Donc, de très belles îles visitées, Cap Raya, l'île d'Elbe, on en a fait le tour, comme vous avez pu voir. C'était une année assez enrichissante niveau paysage et découverte. Je vous dis à bientôt. Bon,
Voilà, Anticum est dans la Darse, prête à être sortie. Et c'est la fin de cette année 2022, saison 2022, qui s'est terminée sur une note pas terrible, comme vous le savez. Les éléments du 18 août 2022 en Corse, le Médicane a fait quelques ravages. Il serait toujours temps, il est toujours temps d'analyser, mais enfin bon. C'était difficile de le voir arriver, ce truc-là. Sur la majorité des grippes, il donnait pas 20, 25, 30 nœuds. Allez, 20, 25, 30 nœuds. Et je crois que Météo France s'est fait avoir comme nous tous. J'ai eu la chance, dans le malheur, d'être dans la tempête, d'être quand même au bon endroit, bien planté, main de fer, voile rangée ferlée, sans m'attendre pour autant à un gros coup de vent comme ça. J'avais pris juste des précautions, du vent 20-25 nœuds, comme à l'habitude, caché derrière la montagne. Le vent, de toute façon, il n'est pas derrière la montagne, il n'est pas derrière la montagne, donc ça, on ne peut pas dire qu'il est protégé. Mais on s'en est bien sorti. Ça crée quelques émotions. Et on est content de voir le petit coin de s'éclaircir de ciel au bout d'une heure, un quart de furie. C'était la furie. Ce vent, ils ont enregistré quand même jusqu'à 126 nœuds à Ajaccio en rafale. Et nous, on avait difficile de dire. 150 constant, c'est clair. Après, 150, 160, 170, 180, 150. Bord du bateau dans l'eau. L'essentiel, c'est que le mouillage est bien tenu, mais c'est pas une expérience que j'ai envie de rouler de sitôt. Et je pense pas que tous ceux qui étaient dans cette tempête ont envie de renouveler l'expérience. Je crois qu'il pour beaucoup était une expérience unique. Ça ébranle les esprits sur certaines certitudes. Il y en a qui ont choisi de partir en mer, c'est une bonne solution. S'éloigner de la côte quand il n'y a pas de possibilité de se mettre dans un abri à peu près sécure, tout au niveau des possibilités de fuir si toutefois le mouillage lâche. Je vous confirme que le mouillage, quand il est bien fait, dans du sable, avec une petite ancre comme la mienne, 14 kg, une chaîne de 10, une main de fer, eh bien ça tient même très très bien. J'ai même pas eu à reprendre le mouillage ni quoi que ce soit jusqu'au bout. Avec un appui moteur, j'ai soulagé l'avant de mon bateau. Voilà sur quoi se termine cette année 2022. Donc, un retour de Corse, toutes ces images en tête, on n'a plus trop envie de traîner. Je sais que le même jour ou dans les mêmes heures, à Porquerolles, il y a des bateaux qui ont été surpris aussi par un fort coup de vent et qui sont allés à la côte. Le problème de Porquerolles, c'est qu'il y a toujours énormément de monde. Que même si vous vous rendez, vous êtes presque à touche-touche. Donc ça commence à jouer les dans ton bonheur. Donc un mouillage sécure, c'est un mouillage sur du sable avec de la place autour. Un moyen de fuir dans les possibilités de fuite. Et puis un bateau bien rangé.
on a été surpris, le bateau était rangé, mais pas super bien rangé, donc il y a des choses qu'on voulait, les tiroirs qui n'étaient pas bien fermés. Il a fallu effectivement les sécuriser, mais on a tellement été surpris par le coup de vent qu'on n'avait rien préparé pour une telle chose. Voilà. Mis à part le mouillage fait dans les règles de l'art au départ, et puis quand ça arrive, on se fait surprendre si le mouillage est bien fait à la base. Attachez mes cales à pêche sur le doigt. Et bien ça vous sauve un petit peu la mise, ça vous sauve le bateau, ça vous sauve tout le monde. Ça c'est l'ancre à la tempête. Plus exactement la main de fer qui passait en dessous et tout. Ouais. Ouais. Bah non, c'était la main de fer. Ça. Bon, ça va. Donc, Anticombe va venir prendre son quartier ici. Je le vois là-bas, le mât. Il y a le mât qui arrive là-bas au-dessus, là, du toit, là. Là, c'est Anticombe.